Notre Père, oui, nous voulons chanter ta gloire aujourd'hui, te prier, et nous voulons te demander d'être présent. D'être présent dans cette assemblée qui se réunit, d'être présent dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre l'immensité de ta bonté, que nous puissions comprendre ta proximité. Nous voulons, notre Père, t'en prier au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce temple pour cette journée particulière. Nous allons fêter Pâques, le souvenir de ce qui s'est passé à Pâques il y a près de 2000 ans maintenant. Et nous le ferons au travers des Écritures, au travers de ce qu'elles nous disent, au travers de ce que nous vivons. Nous le chanterons, nous le prierons, nous écouterons des enfants, des moins jeunes, qui exprimeront par leur chant, par leur musique, également cette adoration de ce Jésus-Christ qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité. Nous resterons debout pour chanter tous ensemble « Abba Père, je veux être à toi seulement ». Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin dans ce temple pour t'adorer. Nous voulons vivre le fait que tu es à la fois ce Dieu lointain qui est si immense, qui a créé l'univers, qui a créé la vie, et ce Dieu proche qui s'est incarné. Et nous voulons vivre cette apparente contradiction aujourd'hui dans notre cœur. Nous voulons, notre Père aussi, t'adorer toi seul. Non pas ce que nous avons bâti comme Dieu, mais toi seul, notre Père. Toi qui es le Dieu du passé, toi qui es le Dieu du futur, tu es aussi le Dieu du présent. Et nous voulons nous incliner devant toi. Fais, notre Père, que ce que nous allons entendre nous remémorer peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais peu importe, il est important de nous remémorer ces événements, que nous puissions les vivre ensuite au quotidien, tous les jours. Et que cette adoration ne soit pas uniquement le temps de ce jour de Pâques, mais également soit celui de notre vie au quotidien. Notre Père, nous voulons t'en prier en te demandant oui, le pardon de nos fautes, parce que nous savons que nous pouvons compter sur un Dieu qui est venu pour nous, qui s'est sacrifié pour nous et qui, ô joie, est ressuscité. Nous voulons, notre Père, t'en prier au nom de Jésus. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans la rampe pour recueillir les dîmes et les offrandes. Seigneur Dieu, nous qui avons eu le plaisir de recevoir tes multiples bénédictions durant cette semaine, nous voulons ce sabbat matin expérimenter le plaisir de donner. Reçois donc cette offrande faite le cœur léger. Si l'argent est un moyen mais pas une fin, nous voulons que cet argent soit un moyen de proclamer notre bonne nouvelle au monde entier, afin que dans ce monde où l'eau se fait rare, nous puissions abreuver l'humanité de ta bonne parole. Aide-nous donc à accomplir à bien cette mission et que ta volonté soit faite. Amen. Thank you.
Christ, together for your people. Oh, sing unto God with the voice of melody. For the Lord is high and to be feared. He is exalted above the et l'humilier. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Le second texte, c'est Acte 1, verset 11. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. Chers amis, chers internautes, Jésus est au centre de la Bible et tout envers lui et tout procède de lui. Si c'est évident dans le Nouveau Testament, suffit-il de lire les évangiles pour connaître Jésus ? Je ne le crois pas, car le Nouveau Testament nous renvoie sans cesse à l'Ancien. Pour savoir qui il est, il nous faut lire le témoignage des patriarches et des prophètes. Jésus lui-même pratiquait sur le chemin d'Emmaüs. Regardons dans Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Écoutons-le se présenter lui-même au cours des âges,
à travers les déclarations et les prophéties. Dans Genèse 17, verset 1, « Je suis ton Dieu ». Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Exode 3, verset 4. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit ». Exode 15, 26. « Je suis ton salut ». Psaume 35, verset 3. « Je suis celui qui efface tes transgressions ». Ésaïe 43, 25. « Je suis celui qui vous console » dans Ésaïe. « Je suis celui, le Seigneur, qui aime la justice. « Je suis la miséricorde » Jérémie 3, 12. Tout ce que l'Ancien Testament dit de Yahvé, le Nouveau le répète en l'appliquant à Jésus. « L'Éternel est le berger » Psaume 23. « L'Éternel est la lumière » Jésus est la lumière. L'Éternel est le rocher, le libérateur, la justice, la vie. Jésus est le rocher, il est libérateur, justice et vie. C'est le révélateur de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste, qui veut toujours reprendre contact avec sa créature. Les prophéties messianiques aussi sont très précises. Elle commence par annoncer la victoire d'une postérité sur une autre. Et puis, dans Ésaïe 7, 14, nous voyons la manière. La jeune fille sera enceinte d'un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, 5, « Car un enfant nous est né. La domination, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. » On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et pour le lieu de sa naissance aussi, des indications précises. Michée 5, 12, Bethléem. Et puis cette grande prophétie des 70 semaines de Daniel 9, versets 25 et 26. Et enfin, si... son arrivée triomphale à Jérusalem, montée sur un ânon. Zacharie 9, 9. Ésaïe 53, tel un agneau qu'on mène à la boucherie, il est resté muet devant ses accusateurs. Et on ne peut que citer tous les types de Jésus à travers l'Ancien Testament. Autant d'arguments dans la vie d'Abel, Abraham, Melchisédek, Joseph, Moïse, le rocher de Moïse, Jérémie, le serpent d'airain, le sanctuaire, son rituel et sa prêtrise, et plus que tout, la fête de Pâques, instituée à la sortie d'esclavage, avec le sang de l'agneau innocent posé sur les linteaux et sur les portes, ce sang qui préserve de la mort. Ai-je cité le nom de Jésus ? D'où vient le nom de Jésus ? Est-ce que Marie et Joseph ont été étonnés de devoir donner ce prénom à leur fils, alors qu'Ésaïe parle d'Emmanuel ? Je ne pense pas qu'ils étaient étonnés, car en hébreu, Jésus se dit « Yeshua » qui signifie « salut ». Et il savait que ce mot « Yeshua » se trouve plus d'une centaine de fois de la Genèse jusqu'au prophète Habacuc. À ceux qui affirment que Jésus n'est pas Dieu, il est donc impératif de repérer où figure le nom de Jésus, « Yeshua », dans l'Ancien Testament. Dans son article « The Name of Jesus in the Old Testament », Arthur Glass affirme qu'à chaque fois que l'on trouve dans l'Ancien Testament le mot « salut », avec le suffixe hébreu signifiant « mon »,« ton »,« son », il est question du Messie Yeshua. Nous prenons Genèse 49, 18. Jacob affirme « J'espère en ton secours ».
Ô Éternel, le mot traduit par secours ou salut dans d'autres versions est Yeshua. On pourrait alors traduire j'espère en ton Yeshua, ô Éternel. Dans le psaume 9,15, je me réjouirai en ton Yeshua. Ésaïe 12, versets 2 et 3, voici mon Dieu et mon Yeshua. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon Yeshua, et vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources de Yeshua. Arthur Glass y voit la divinité de Jésus et une annonce de son incarnation et de son sacrifice expiatoire qui fait de lui la source de notre salut. Vous puiserez avec allégresse de l'eau aux sources de Yeshua. Jean 4, 14, qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quel parallélisme entre ces deux versets. Et s'il fallait encore un verset pour marquer, Ésaïe 62, verset 11. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton Yeshua arrive. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Les temps avancent. Oui, Jésus-Christ est cité et présent dans l'Ancien Testament. Il est notre espérance. Dieu, quel amour pour moi. Ta mort à la Pâque, ce don si précieux, m'a sauvé. Loué sois-tu, Seigneur. Voilà ce que nous allons chanter maintenant et j'invite l'Assemblée à se lever. Thank you.
Nous allons commencer tout de suite par ouvrir la parole de Dieu et lire le texte que nous allons chanter tout à l'heure. Il se trouve dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour moi, pour toi, pour vous. Les plus petits qui sont là, il y a 15 jours, nous avons chanté un chant que nous avons expliqué dans la classe. Tu es grand, tu es beau, ta couleur, c'est la lumière. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Vous avez chanté ce chant. Et je voudrais aujourd'hui voir avec vous les différentes couleurs que Dieu a créées par rapport à Jésus. Dieu était au ciel avec Jésus, son Fils. Il avait cette couleur de lumière. Il avait un manteau de lumière. Et puis un jour, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour moi, pour vous. Sur la terre, en arrivant comme un petit enfant, il a revêtu un manteau de pureté, un manteau blanc à la naissance. Ce blanc dit la pureté de Jésus quand il est arrivé sur terre. Il a grandi, il est devenu adolescent, adulte, et là il a choisi ses disciples. Il a partagé des temps heureux avec ses disciples. La couleur orange nous dit les moments de joie, de bonheur qu'il a partagé. Sa vie a continué. Et puis un jour, il est rentré dans une ville montée sur un âne. Cette ville de Jérusalem l'a acclamé. Ils ont trouvé leur roi. Le peuple était rempli d'espérance. La couleur verte donne cette espérance. Quelques jours plus tard, Jésus a symbolisé auprès de ses disciples ce qu'il est venu faire pour chacun de nous. Il est devenu le serviteur des hommes. La couleur marron dit le serviteur, Jésus serviteur. Le soir même, alors qu'il sentait les difficultés arriver, Jésus est allé au jardin des Oliviers. Et là, il a prié son Père pour avoir son Père près de lui. Il lui a confié son souci. Il a parlé avec lui. Il a voulu une relation plus proche. La couleur rose dit l'intimité de Jésus et de son Père. Les choses se sont aggravées. Cette même nuit, Jésus a été arrêté. Le gris dit cette arrestation de Jésus. Et puis, il a cherché refuge auprès de ses amis. Il n'y avait plus personne. Tous ses amis l'avaient abandonné, l'avaient délaissé, il était seul. La couleur violette dit cette solitude. La nuit même, il a été arrêté. Et le lendemain,
ce vendredi. Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour moi, pour vous. Cette couleur rouge représente la vie que Jésus a donnée pour chacun de nous. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Tous étaient tristes. Tous se sentaient seuls, isolés, perdus. Mais le dimanche matin, Jésus est ressuscité. Et Jésus a retrouvé son manteau de lumière qu'il n'a plus quitté. Jamais cette grande lumière ne s'éteindra maintenant, parce que je sais qu'il gardera toujours son manteau de lumière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour moi, pour vous. Jésus-Christ est venu au temps prévu, accomplissant toutes les prophéties, et pendant 3 ans, il va prêcher. Écouté, suivi, recherché. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, en cette veille de Pâques, il est acclamé, salué. Il entre comme un roi à Jérusalem, sur un tapis de palme et au son des hosannas. Quelques jours après, il est trahi par Judas, arrêté de nuit, saisi, lié, emprisonné, jugé à la hâte dans une parodie de procès. Il est frappé, insulté, condamné d'avance par le Sanhédrin. Il est mené devant Ponce Pilate, qui ne trouve rien contre lui, mais qui le fait battre de verge et le livre quand même à la foule. Et Jésus ne dit rien, lui qui pourrait à l'instant même faire appel à une cohorte d'anges. Le peuple, entraîné par les sacrificateurs, choisit Barabbas et condamne Jésus à la crucifixion. Les soldats le frappent et l'injurient. On lui enfonce une couronne d'épines sur la tête. L'exécution de la sentence est immédiate. Point d'appel, point de recours. Il est bafoué, battu, humilié. On l'insulte et on se moque. On l'envoie à la mort comme à une distraction. Commence alors son chemin de croix au milieu d'une foule crachant sa haine. Parmi le peuple, les autres, muets et interdits, assistent impuissants, incrédules et défaits
au calvaire de Jésus. Ce Jésus qui a guéri les uns, rendu la vue à d'autres, fait marcher des impotents, purifié des lépreux, ressuscité des morts. Ce Jésus qui les a élevés par sa parole, qui les a nourris lorsqu'ils avaient faim, ce Jésus qu'ils ont aimé sans comprendre, et maintenant ce corps meurtri, ensanglanté, couronné d'épines, accablé sous le fardeau de la croix. Jésus avance en trébuchant, titubant sous le poids, il tombe, il est frappé, il se relève encore, il pourrait déployer sa divinité, mais il va jusqu'au bout de son sacrifice, vers Golgotha. Sur la Via Dolorosa, à Jérusalem ce jour, les soldats ouvraient un passage dans la rue. Mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Battu au fouet, son sang coulait, tout son dos était meurtri, et il portait une couronne d'épines, supportant à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vint le Messie, Christ le Roi. Il a choisi ce chemin Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vint le Messie, Christ le Roi. Il a choisi ce chemin. Sur la croix, élevé entre deux malfaiteurs et pendu au bois dans des souffrances indicibles.
Jésus-Christ, lumière du monde, le monde est en train de te crucifier. Le ciel se voile, les ténèbres se font sur toute la terre. Les heures passent, les longues heures de l'agonie, étouffant, asphyxié, il a encore la force entre deux inspirations de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, dans ses souffrances physiques, au milieu de son agonie, dans son angoisse et sa douleur spirituelle d'être coupé de l'amour de son Père, ayant été fait péché pour nous, lui qui était sans tâche, Jésus, qui se sent abandonné, se tourne encore vers son Père pour intercéder pour nous. Quelques instants avant sa mort, il confie sa mère à Jean, et pour parfaire l'infamie à son supplice, comme il avait soif, on lui a donné à boire du vinaigre sur une éponge. Il dit alors « Tout est accompli » et il expira. Puis un soldat lui perça le flanc car il fallait que tout soit terminé pour le sabbat. Le voile du temple se déchira, la terre trembla. Le centurion s'écria « Sûrement, cet homme était le Fils de Dieu ». Oui, tout est accompli. Depuis le signe prophétique sanglant marqué sur le linteau des portes des Hébreux portant le sang de l'agneau de Pâques pour les protéger de la mort lors de la 10e plaie d'Égypte jusqu'à Jésus mourant sur la croix. Jésus sur la croix, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ toujours le même, présent pour sauver l'humanité. Jésus-Christ, notre Pâques. La douleur de sa mère, de ses disciples, de Marie-Madeleine est inexprimable. Se peut-il que lui, le roi des rois, soit mort, cloué sur ce bois d'infamie? Se peut-il que tout soit fini? La douleur, la désolation, les pleurs et la tristesse se sont abattus sur Jérusalem et sur l'univers plongé dans les ténèbres. Oui, Jésus a accompli sa mission de rédemption et de salut en mourant sur la croix, mais son œuvre continue plus encore. Christ est ressuscité. Le dimanche matin, Marie-Madeleine, la première informée par l'ange, le rencontre, court en avertir les disciples. Ceux-ci se précipitent au tombeau. Les pèlerins d'Emmaüs, après avoir cheminé et dîné avec lui, le reconnaissent lorsqu'ils rompent le pain. Puis il apparaît aux apôtres. Il leur montre ses pieds, ses mains et son flanc percé. Devant leur incrédulité, il mange devant eux. Thomas met même la main dans sa plaie. Les disciples sont remplis de joie. Partout, la désolation et la tristesse font place à la joie et à l'espérance. Jésus-Christ est ressuscité et il œuvre pour nous par sa grâce. Voulez-vous y répondre? Amen. Pour Dieu, à jamais tu seras. Ah, 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 ah.
vient toujours à notre rencontre. Il nous tend la main, il nous appelle. Il laisse les 99 pour chercher l'égaré. Je doute cependant qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent témoigner d'une conversion aussi radicale que celle de l'apôtre Paul. Nous le rencontrons sous le nom de Saul pour la première fois dans le livre des Actes, le chapitre 7, verset 58. Ceux qui faisaient mourir Étienne déposèrent le vêtement aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Il dira lui-même plus tard, au chapitre 22, verset 20, qu'il joignait son approbation à celle des autres lors de la lapidation d'Étienne. Actes chapitre 8, versets 1 et 2. Nous voyons Saul comme un cruel, acharné persécuteur des premiers chrétiens. Paul était un pharisien. Au premier siècle, selon l'historien Joseph, il y avait quatre écoles de pensée juive. Les Esséniens, les Sadduciens, les Zélotes et les Pharisiens. Un des éléments qui distinguait les Pharisiens des trois autres groupes était leur conviction de représenter l'élite du peuple élu. Ils se considéraient les dépositaires exclusifs de la vérité, les seuls fidèles de l'Alliance. Ils étaient un des groupes héritiers des Hassidim, qui veut dire les pieux, un mouvement juif anti-helléniste de l'époque d'Antiochus Épiphane, 175 vers 163 avant Jésus-Christ. Ils étaient séparatistes et puristes, spécialistes de la loi mosaïque. Il semblerait que Paul persécutait les nouveaux chrétiens en raison d'une motivation de piété et croyance intransigeante. Dans Actes 9, versets 1 et 2, nous lisons « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et puis, contre toute attente, on lit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et tombe par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » L'éclat venu du ciel aveugle à Saul. Il tombe par terre. Pendant 3 jours, il reste sans voir, sans manger et sans boire. Et on lit quelques versets après qu'il recouvre la vue et se fait baptiser. Alors, on pourrait dire que sa conversion était la résultante d'un appel puissant de Jésus. Mais d'où venait cette puissance? Était-ce la lumière, l'aveuglement, la faim, la soif, le miracle de recouvrer la vue? Ou était-ce par la question de Jésus? Pourquoi me persécutes-tu? On constate que les premiers mots de Jésus à Saul sont exprimés non pas sous forme d'un ordre, mais sous forme d'une question. Au centre de la puissance de Jésus se trouve toujours une invitation. C'est le thème central de la Bible. Le Dieu du ciel, le Créateur tout-puissant, le Créateur de l'univers, nous appelle, toujours par son initiative, toujours par invitation,
jamais par contrainte, toujours par la réflexion. Dès le commencement de l'histoire humaine, Dieu nous accorde le choix. L'obéissance sans choix n'est pas l'obéissance, mais ressemblerait à une machine programmée. L'obéissance par la peur est presque la même chose, car on n'obéit que pour éviter une punition future. Mais l'obéissance dans l'amour, c'est à ce moment-là où nous commençons à vraiment voir. C'est à ce moment-là que les écailles tombent de nos yeux, comme elles sont tombées des yeux de Saul. Jésus se tient près de nous et frappe à la porte de nos cœurs aujourd'hui, comme il a fait toujours. Jésus dit, « Venez à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, troublés, solitaires, isolés, qui souffrez d'une relation brisée, qui vous sentez hantés par le passé, qui craignez l'inconnu, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas, « Venez à moi et je vais immédiatement résoudre tous vos problèmes. » Mais ce qui promet va bien au-delà de ça. C'est du repos. C'est une profonde assurance. C'est une paix. Et si vous l'avez connue, vous savez en effet qu'elle dépasse toute intelligence et compréhension. Mais elle commence avec notre choix. Choix de répondre à sa question. De venir à lui, d'arrêter de nous regarder et de se regarder, choix de répondre à son appel, de fixer nos yeux sur le Maître, de venir sous son merveilleux regard, et nous serons dans tout notre être vivifiés pour lui, mis à part. Amen. L'immense grâce de Jésus, sublime don de Dieu. Ma grâce,
ardent de notre cœur surpris, découvrira soudain ta vision féconde de tout ce que vivant nous n'avons pas compris. Lorsque libre enfin des brumes de la terre, nos yeux illuminés par le soleil des morts, des ronds-points au-delà des voiles du mystère, le but définitif promis à nos efforts. Alors nous te dirons, ô Dieu qui se fit homme et qui par charité va pleurer avec nous, que nous ne voulons plus être ce que nous sommes, et nos vains orgueils fléchira les genoux. Éternel cheminot des routes éternelles, qui d'astre en astre va glanant les cœurs meurtris, vers ta divinité qui se fit fraternelle, rouvre pour nous l'essor des chemins désappris. Embrase-nous, ô Christ de l'invincible ivresse, dont l'élan à jamais transporte tes élus, et marque-nous au front du sceau de ta tendresse, pour que t'ayant trouvé, nous ne te quittions plus. Et je continuerai par les deux avant-derniers versets de 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. The sky shall unfold, preparing his entrance. The star shall applaud him. Thank you.
Seigneur Dieu, je voudrais te remercier tout d'abord pour ton sabbat. Nous pouvons nous retrouver et t'adorer, Seigneur. Mais spécialement pour ce moyen que tu as mis à notre disposition, la Pâque, pour que nous puissions nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, de ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es venu sur cette terre comme homme et tu nous as aimés au plus grand, au plus fort de ce que l'on peut aimer les hommes. Tu es mort pour nous et tu es ressuscité, Seigneur. Et nous voulons croire en cette espérance que tu reviendras. Seigneur, donne-nous la force de nous rappeler ton amour pour ce week-end de Pâques, mais également tous les jours de notre vie, Seigneur, et que nous puissions le mettre en œuvre et le pratiquer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Dans tous nos...